Revenons à la crise sanitaire qui n'est pas terminée. Hier encore, 7 000 cas nouveaux ont été identifiés en France. Le virus circule toujours, mais comment mieux le traquer? Une entreprise analyse les eaux usées. En avril dernier, ces relevés avaient permis de détecter le virus avant même que les hôpitaux n'accueillent les premiers malades. Comment ça marche? Exceptionnellement, nous avons été autorisés à entrer chez Bioanalyse Eurofins sur le site de Maxéville pour une démonstration de cette méthode qui pour l'instant est développée dans le laboratoire danois du groupe Cécile Boisson et Olivier Bouillon. Prélever un échantillon d'eau usée, c'est par là que tout commence. Le prélèvement est réalisé sur une période de 24 heures pour une meilleure représentativité du résultat. Notre échantillon va ensuite devoir être encodé avant de passer dans ce qu'on appelle la centrifugeuse. Un premier process qui va permettre de diviser l'eau en deux phases, l'une liquide et l'autre solide, suivra une phase d'extraction pour isoler et amplifier le matériel génétique du coronavirus. Ce qui est révolutionnaire, c'est la méthode qui permet une représentativité du résultat de l'analyse en partant d'un prélèvement d'eau usée jusqu'à une extraction et une amplification par PCR de cet échantillon. Et donc toutes les étapes intermédiaires qui permettent d'assurer une représentativité du résultat de cette analyse. Cette méthode complexe vient en complément des dispositifs déjà existants comme le test PCR sur les personnes potentiellement contaminées et le test sérologique par prise de sang. Elle a été mise au point par le réseau de laboratoires Eurofins dont l'un des principaux sites français se trouve à Maxéville près de Nancy où travaillent 210 personnes. Ici la spécialité c'est surtout l'analyse des micropolluants dans les eaux mais exceptionnellement le laboratoire nous a ouvert ses portes pour nous parler de l'intérêt de tester les eaux usées. L'analyse régulière des eaux usées permet donc la surveillance d'une ville ou d'un site industriel ou tertiaire et la détection précoce d'une recrudescence de l'épidémie. Ça la permet à cette ville, par exemple, de prendre les mesures adéquates pour indiquer la recrudescence de l'épidémie. La méthode permet d'anticiper les pics épidémiques avant même l'arrivée des symptômes. Autre avantage, elle prend en compte les personnes asymptomatiques. Dès le mois de juillet, l'Académie de médecine avait d'ailleurs recommandé une surveillance systématique des eaux usées. Les principaux clients du laboratoire sont aujourd'hui les stations d'épuration, mais la méthode Sentinelle s'adresse plus généralement aux villes, aux hôpitaux, EHPAD, écoles et entreprises.